chaud de vous mettre au parfum. Alors, il était une fois il y a très longtemps, la toute première civilisation de l'univers connu a gravé une idée sur une pierre. Ce qui, bien sûr, voulait dire que c'était important. Il y était question de la fin. Et selon cette pierre, tout était amené à disparaître un jour, y compris les étoiles elles-mêmes. Les ténèbres devaient dévorer peu à peu le ciel, et après des années de, appelons ça une très longue série de journées pourries, il ne devait rester qu'une étoile. Tous chercheraient à rejoindre cette dernière étoile, afin d'échapper aux ténèbres envahissant l'univers à l'agonie. Cependant, ce rassemblement ne susciterait pas l'unité, mais la guerre. La guerre entre civilisations et la guerre contre de puissants ennemis, les Varelsi et ce traître de Reindale. Mais la pierre parlait aussi d'espoir, de champions surgissant des ruines du conflit et qui, eh bien, chercheraient à préserver la lumière. Et c'est là que vous entrez en scène. Parmi ces héros, vous recruterez une équipe de combattants. Vous les dirigerez et les entraînerez. Grâce à vous, il restera un espoir de clarté. Ces guerriers seront les Battleborn. Et pour vous, commandant, ils lutteront ensemble ou mourront isolés. Oh, c'est ce que dit la pierre. Ce qui nous ramène à l'étoile. We get double-crossed by a track of trickery.
mind to hear though. Galaxy's away, but our face is real close. Puzzling arrangement, gotta put the pieces back. Double check everything, it could be a trap. The natural order preserved, so it lasts or dominate the resources. Feed off it. Been 20,000 years to keep walking. Then watch the rest needs be clipped. Technology at their fingertips, or attempt to escape red tape. Stick your nose in everybody's face. Join the force and everybody's afraid. No need to be, you're welcome to join them. Follow the rules and regulations employed then. Pas du genre à laisser passer une occasion de pourrir la vie à Rindane. Où est la transfuge? Elle prépare le feu d'artifice pour la fiesta d'aujourd'hui. On n'aura qu'une seule chance, Mel. T'es prête? Non, mais c'est pas grave, allons-y quand même. On envoie les données de la mission à Melka, Cleese. C'est temps! C'est Cleese? Cleese fait partie de cette mission? Ah, vous voilà! Suivez le point de passage que j'ai envoyé. Il devrait vous mener tout droit dans la gueule du loup! C'est toujours un plaisir, Melka. Y a moyen de franchir cette porte? La mission d'aujourd'hui étant assez périlleuse, je conseille une synchronisation sur une balise de transport d'urgence de la LLC, ou point de contrôle en langage clair. Il y en a une tout près. Une fois synchronisé à votre équipement, la balise vous éloigne immédiatement du combat si vos signes vitaux sont trop faibles. Mais il y a un piège. Notre contrat avec la LLC ne garantit qu'un nombre limité de récupérations avant déconnexion. Ouais, bande de rapia. Allez, on vole! Qu'est-ce qu'elles ont, ces unités SD1? Des unités défectueuses! Quelle honte! Si je dirigeais encore Spirobotique et ça, certains se feraient virer! Il n'y a qu'à les tuer. Il faudrait pas qu'une de ces choses nous prive de l'effet de surprise. C'est parti! T'avais rien vu venir, hein?
C'est pas vrai. Sérieux? Le bras droit de Raindane? C'est dingue, non? En fait, elle commandait les rebelles Generites depuis l'arrivée au pouvoir du Lord Commandant. Et les largages d'infos qu'on a reçus, c'était elle aussi. On peut vraiment lui faire confiance? Je devrais venir avec vous plus souvent. Oh, ce flingue me plaît. D'où est-ce qu'il vient, capitaine? C'est un pistolet mitrailleur des RPU modifiés. C'est Cleese qui s'en est chargé. Oui, il est conçu pour fonctionner avec votre monstrueuse transformation. C'est un bio-gantelet Eldride, Cleese. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Allez-y, essayez. Galt, est-ce qu'on peut y aller? C'est bon, Melka est presque au point de rendez-vous. Bien, parce que je vais commettre mon deuxième acte de trahison de la journée. Allez, calmez un peu. Bonjour. Je suis Diande. Vous êtes? Remets-la debout! Il faut y aller! Laissez-moi une seconde. On n'a pas une seconde, Generite. Vous avez entendu? Votre patron vient nous tuer. Il faut alimenter ses conduits pour déployer le pont. Il y en a deux, on est deux. On y va? Le pont est activé. Fichons le camp d'ici, Generite. Diande fera très bien l'affaire. Et vous, c'est Melka, c'est ça? Non, mon nom c'est... Eldride qui va t'en mettre une.
Curieuse tenue pour une Eldride. Vous vous attendiez à une elfe de l'espace? Ou à une observatrice en tenue de cérémonie? J'aurais bien mis la mienne, mais je l'ai perdue quand les Jennerites ont englouti mon étoile. Oh! C'est le moment où Melka pique sa crise! Pour ce que ça vaut, mes excuses. Mais une chose est sûre, ce n'étaient pas les Jennerites. C'était Rendaine. Quoi? Non! Tuez-les, abrutis! Pitié, votre Altesse! Ne me tuez pas! Je m'en occupe! Mais ne me tuez pas! Je ne vais pas... Bon, mettez-vous au boulot! Et non! Ah ouais, ça craint pour toi! Voilà la zone de posée. Elle grouille de Jennerites. Galt, vous êtes où, les gars? On se fait plomber. On arrive le plus vite possible. Dégagez-nous le terrain! Des forces de l'Imperium. Éliminez-les! Diante, je dois dire que je suis déçu. Non, je suis énervé. Je suis même limite furax. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? De ce que vous nous avez coûté? Je sais exactement ce que j'ai fait, Lord Commandant. Au fait, je démissionne, au cas où il y aurait un doute. Écoutez, il est clair que vous désapprouvez notre alliance avec les Varelsi, mais c'est la seule façon de survivre à ce qui se prépare, la seule façon de préserver un tant soit peu notre univers, notre mission, ou l'impératrice Lenor. L'impératrice est morte. Ne prononcez plus jamais son nom. Morte? Non, c'est... Oh, laissez tomber. Passons directement aux conséquences de votre petite folie, voulez-vous? Nous allons reconstruire l'héliophage, absorber Solus dans le néant et assurer l'avenir de notre peuple. Pendant ce temps, vous mourrez. Vous mourrez dans le froid, dans la solitude et surtout dans les ténèbres. Élimination impeccable. Oups! Allez, en route. Là, ça devrait gérer le champ. On continue, Eldrid qui va t'en mettre une. J'ai combattu les Varelsi pendant vraiment très longtemps. Nous avons remporté de nombreuses
battage, c'est vrai, et pourtant, il suffit de lever la tête dans la nuit étoilée pour constater qu'au final, nous n'avons fait que retarder l'inéluctable. Et c'est comme ça que vous justifiez cette trahison envers vos alliés? Vos amis? Oui, je sauve quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Vous n'en feriez pas autant à ma place. C'est mieux que rester dans le vaisseau. Contre les Varelsi. Nous avons combattu et péri à leur côté pendant des siècles. Vous ne connaissez rien à la loyauté, Renden. Bon. Au moins, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Soldats, attrapez la transfuge! Ne les laissez pas s'enfuir! M'en occupe! Soignez votre entrée, vous faites tous du très très bon boulot. Mais maintenant, ce serait top! Allez, montez à bord!
suis d'accord. D.N.D. est notre unique espoir de tuer Endane. Une chance que nous n'aurons que lorsqu'il attaquera l'étoile. Et d'ici là, c'est quoi le plan? Enfin, si on en a un. On va saboter les opérations de l'Imperium autour de Solus. Gagner le plus de temps possible et obtenir l'appui des factions. Heureusement pour nous, elles ont toutes besoin d'aide. Faire sauter des trucs marche bien jusqu'ici. Je pensais continuer comme ça. Pendant que Rendane répare l'héliophage, on va aider les autres factions à se remettre sur pied. Si on veut réussir, on va avoir besoin de tout le monde. Les RPU ont subi de lourdes pertes en tentant de reprendre leurs anciennes colonies sur Bliss. L'amiral Bannon a lancé un appel à l'aide. Commençons par là. L'observatoire dit qu'Ekunar grouille d'équipes de ramassage Jennerite. En frappant fort, on pourrait couper leur alimentation en énergie. Tempest est plus vulnérable que ne l'imagine Rendane. Ce sera dangereux. Mais ils ne s'attendront pas à nous voir. Alors, on ne passe personne par le sas ? La ferme Cleese. C'est notre dernier espoir de sauver Solus. On ne peut pas échouer. On réussira. Ben, il se pourrait...